Il a pas grillé ou quoi? Non, j'ai promis de m'occuper de Joe, le petit vandale, là. On joue à cache-cache, je me suis déguisé en poubelle, il m'a pas encore grillé, mais il est un peu teubé. Mais il est vandale, c'est un teubé simplet comme ça. C'est un teubé simplet comme ça. Par exemple, tu vois, un jour on était à la garderie comme ça. Bon, les autres, ils mangent tranquillement leurs petites carottes, on leur préparer comme ça gentiment, tout ça. Le petit Joe le vandale, comme ça, et il prend le râteau, tout ça, et il fourre dans le cul de ses petits potes, comme ça, il leur met du sable, il fait, t'es tout sablonneux, et clac! C'est un petit connard, le petit Joe le vandale, tu vois, c'est un petit cramine un peu simplet, comme ça, et. Et Joe le petit vandale, je m'en occupe, tout ça. Oh, j'ai bougé, malgré. Pom, pom! Eh, t'es vraiment un connard, Joe Vandal! Pom, 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 pom! Pom, 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 pom! Eh, Joe Vandal, tu m'as grillé, j'ai cru que t'allais pas avoir la poubelle, t'es con, toi! Attends, je vais faire le sac à dos! Sac à dos, frère! Eh, tu m'as grillé de nouveau, c'est pas j'ai bougé, connard, hein! C'est pas c'était qu'une salope! Eh, t'es déjà avancé pour ton âge, genre le. Comment? Genre le vandale, petit couillon! T'as quel âge c'est ton mec? Eh ouais, mon petit salaud, t'as te posé un problème? Je les retire de ton cul ou quoi? Ou je les retire de ton salaire, ma salope? Non, ça va, ton cul, frère, et n'heurte pas, genre le petit vandale, là. Leur mettre du sable dans le cul des autres petites salopes, là. Bon, il est précoce le petit Joe le Vandal, tout ça. L'autre jour, on était au centre commercial comme ça. Truc de dingue, il a les techniques de chope, le petit Joe le Vandal, tout ça. Tu sais, comme ça, on était à l'étage comme ça. Et il gicle comme ça sur une demoiselle, comme ça. Et où les autres, ils auraient pris un râteau, tu vois, Joe le petit Vandal, il est arrivé, il s'est faufilé comme un snake, tout ça. Et il lui a même reçu, il est revenu, il avait le numéro inscrit sur sa petite culotte, frère. C'est un cramé, sur le vandale, mec. Et tu racontes mal, petit pédé, mec. Et en plus, c'était sur les chaussettes, les culottes et le soutien-gorge. Et même que le soutien-gorge, il l'a dédicacé en disant de la corde à sauter. J'ai dû lui faire au moins 15 marmots dans le photomaton, frère. 15 marmots. Heureusement, j'ai mis la capote, et enculé, tu crois quoi, frère? Bah, c'est normal, t'as 7 ans, et c'est un peu chaud d'être parent à 7 ans, quand même. Et espèce de petit branleur, j'ai déjà deux petits gosses comme ça, là, avec la Brenda, là. T'es celle du tourniquet, frère. La chaudasse, là, avec la tignasse, les petites couettes. C'est qui fait comme ça? Je connais pas, attends. De toute façon, je connaîtrais pas, mec, attends, tes copines. Et là, il est toujours affreux, tu fais, mais non, tu vois, la chanteuse, là, c'est la professeure, là, c'est qui est jolie, là. Audacieux, le petit Joe, Joe le Vandal, comme ça. Le jour, il arrive comme ça en cours, il y a la prof de maths, tout ça. Il arrive et lui fait, alors, venez au tableau, faites votre équation. Et il lui fait, mademoiselle, vous et moi, on est fait pour faire équation, tout ça. Et vraiment, je te calcule encore mieux, voilà, quand j'ai, comment dire, mon 45 degrés, non, non, tu vois, entre ton ovale, là, 3-14 tourné. Et elle lui fait, tu es précoce. Et il a chopé aux toilettes, le petit Joe, là. C'est ton frère, il a chopé la professeure, frère. Elle était comme ça, ah! Oh, prends-moi dans le coin, oh, vas-y, fais-moi lécher tous les murs, elle était là, putain, elle criait comme une salope, truc de dingue, c'est un cramé sur le vendage, je t'assure, elle était là, ah, mais arrête, le petit Joe, c'est un connard, et en plus, il a les oreilles décollées, oui, c'est vrai, c'est une salope. Bon. Vas-y, arrête de faire le crevard, Joe. Qu'est-ce que tu dis? Joe, il avait à 7 ans, mec, il fumait un cigare avec sa sœur. Comme des connards, comme ça.
Le pied est comme ça, en éventail comme ça, on the beach, le salon comme ça, ils ont refourgué du sable comme ça dans le salon avec sa soeur comme ça. Il fumait un cigare et le NSI comme ça, le petit verre à côté comme ça, tel. Le petit verre, les petites bouteilles, frère, hein, à 7 ans, Joe, la frappe, frère, là. Joe le Vandal, mec. Joe le Vandal, c'est un dingo, frère. Par exemple, des fois, tu vois des femmes, elles courent dans la rue, comme ça. Fiche, fiche. Ben c'est dingo, c'est le petit Joe la Vandale, il est derrière, comme ça, il leur court, il veut leur choper les fesses. Elle kiffe, mon frère! Même qu'elle mette la culotte à hauteur des genoux et elle court comme ça. Mais après, le petit Joe le Vandale. Au début, j'ai cru, ça fait lâcher des autruches en ville, frère. Fiu, fiu, fiu. L'autre jour, là, le petit Joe le Vandale, comme ça, il arrive au supermarché, tout ça. Il n'y avait pas assez, tu vois, les billets comme ça dans les pockets, dans les poches comme ça. Il n'avait pas de quoi payer sa bouteille, tout ça. Il se dit, va aller, je les vole comme ça. Il met une bouteille comme ça, voilà, vers la couille gauche, une bouteille vers la couille droite. Et après, il se dit, même si j'ai des grosses couilles, attends, il ne va jamais croire qu'elle prend d'eau à ce point. Et finalement, il a pris la plus grosse bouteille, 1 litre, comme ça, du bon NSI, frère. Il l'a mis comme ça, vers la bite. Il arrive à la caisse. Le vendeur, il fait. Et vous avez quelque chose, là? Et il lui fait. Joe, là, 7 ans, Joe le Vandal, il lui fait. Ouais, j'ai une grosse érection, pensons à ta sœur. Et le vendeur, il a fait. Je suis sûr que vous avez quelque chose entre les couilles. Et Joe le Vandal, il fait, ouais, j'ai une grosse bite, espèce de petit connard, ouais, tu me prends pour qui? Bon, là, vraiment, c'est péché, parce que vraiment, ouais, c'était pas une grosse érection de connard, c'était le NSI, tu vois. Mais il est passé, comme ça, le vendeur, il a fait, bon, vas-y, on s'en bat les couilles, hein. Vu pour pas vu, pas vu pour vu. Et il lui a laissé prendre sa petite bouteille de NSI, comme ça, tu vois, à 7 ans, déjà, ça entourloupe comme ça. Genre, attends. À 7 ans, t'as un bâton comme ça. Il a des techniques de drague très douteuses. L'autre jour, on arrive au magasin, comme ça, c'est un supermarché. Et en bas, il y a un rayon parfumerie et tout ça. Et le petit Jean le Vandal, comme ça, il voit une demoiselle, elle s'asperce comme ça de parfum, tout ça. Et il lui fait, mademoiselle, vous savez, c'est bon ça. Vous avez du goût, mais c'est là, elle a du goût et elle produit bon ça. Mais vous savez, pour 80 euros, vous m'avez moi, c'est gratuit. Joe le Vandal. Et je vous asperge partout, gratuit. Et ça sent encore meilleur. Ma bite, elles sont le. Tu vois, on va pas citer la marque, mais c'est pire que ça. C'est vraiment. Test, je t'asperge comme ça, moins de 80 euros, tu me donnes même. Tiens, 50 euros, 60 euros, je te baisse. Gratuit presque. Et il l'a emballé, elle était là, elle dit, alors c'est pour 60 euros, bien sûr, alors dans ce cas-là, je t'ouvre mes fesses, pour 60 euros, si c'est gratuit, on se fait quoi, dans le fantomaton à l'étage? Et il l'a chopé, elle était là, popopole, on entendait des cris, voilà, c'était aussi une cramée, comme ça, et le petit Joe, le Vandal aussi, c'est un cramé, pop, 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 comme ça, et elle disait pop, 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 lui pop, 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 lui pop.